y'avait de la vraie musique, tu vois ce que je veux dire? Aïe, y'avait du bon son, hein? Comme on dit, hein, la musique c'était mieux avant. Les meufs c'était mieux avant. La technologie, ah non, ça c'était maintenant. Ouais, ouais. La belle époque, pour ma part de 87 à 2000. Après tu rentres dans l'adolescence, tu te manges les premières claques de la vie, hein? Les premières prises de. Hein? Si c'est moi ça? Peut-être, hein? Je me rends compte. Yeah. Yeah. Je me rends compte que pas mal me mettent des bâtons dans les roues. Si je me sers d'un bâton de billard, ce n'est plus pour viser les trous. Je me rends compte que mes larmes coulent que de haine. Moi aussi, je veux qu'on me laisse dans mon monde comme ADN. Yeah. Alors moi, c'est l'homme que l'on appelle RKETO, a.k.a. MC Rap Tout Terrain. Maintenant, Style Impulsif 4, comme le nom l'indique, j'en ai sorti 3 avant. Le premier, je l'ai sorti, j'avais 18 ans. Le deuxième, je l'ai sorti 2 ans après. Le troisième, je l'ai sorti encore 2 ans après. Donc Style Impulsif 3, je l'ai sorti en 2009. Maintenant, Style Impulsif 4, il est un peu plus différent parce que Style Impulsif 4, j'ai vraiment fait beaucoup d'inédits. Et j'ai vraiment été chercher des featuring inédits, voilà. Donc Style Impulsif 4, c'est vraiment, j'ai vraiment invité la famille, tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment invité la famille et le reste, c'est que des gens qui soutiennent, comme la personne qui est derrière la caméra, Job Diamant. C'est vraiment un gars aussi que je soutiens beaucoup. Et voilà, Style Impulsif 4, c'est vraiment du nouveau. J'ai vraiment fait un truc qui se faisait pas en Suisse. La mixtape, elle est 15 francs. Avec 15 francs, tu vas avec en soirée. Tu peux payer ta soirée comme tu peux payer ton CD et tu vas pas être déçu parce qu'il y a du beau monde dessus et il y a de la qualité dessus. J'ai taffé à fond et j'ai fait le taf comme il fallait. Donc voilà, ici c'est ton boy RKETO, a.k.a. MC RTT. C'est un track qui s'est bien déroulé. Le titre c'est Hors Jeu. C'est un son qui est chaud. Danny King, il a tué ça. RKETO, encore pire. Moi-même, vous entendrez. C'est un son qui est assez cool. Je pense que ça va mettre un peu d'accord tous les gens qui parlent, qui devraient être sur le côté, tu vois. Et puis, voilà quoi, le son, il va te faire parler de toute façon. Tu vas comprendre. En fait, moi, j'ai posé ma partie. J'ai posé ma partie. RKETO, il a posé la sienne. Et il restait le vide là où Danny King, il a posé. Parce que moi, j'ai posé en premier. On a attendu, on a galéré pour que Danny King, il pose sur ce vide là. Pour faire un texte vite fait en plus. je rigole. Pour une fois, les Fribourgeois, franchement, ils ont mis d'accord vraiment Lausanne, tu vois. Parce que la compétition, elle se joue un peu entre ça. Il y a Genève, mais Genève, c'est encore une autre gamme, tu vois. Ils sont pas dans le même état d'esprit que nous. Ils flossent plus, tu vois. Nous, on est plus dans les trucs, justement, vénère attitude, là, les impulsions, style impulsif, tu vois. Tu vois. Il n'y a pas de compète, tu vois. Stéréotype, le site numéro 1 rap suisse, toi-même tu le sais, pas de concurrence. Aujourd'hui on est là pour un rappeur, c'est qui déjà? MC VTT, RKETAL, RETO. Ouais, un truc Keto, un bien... truc. RKETO, c'est ça gros. Voilà, ouais. Je crois, je le connais, il a fait un son gros dash, lacrymogène, tout ça là, bien. Il y a un truc Ville aussi avec Son, Ericsson, voilà, ouais. Donc ouais. À tous là, allez chercher le CD, allez l'écouter et donnez votre avis vous aussi. NONO Macro. Bleh. Il y a Intérimeur, c'est K, FLB, Trabzik, MC Vinke, Dani, moi-même c'est Lota comme je l'ai dit. Hello, biatch, qu'est-ce que je fais ici? Non, je suis venu pour soutenir mon frère RKETO, t'as eu... Moi je me souviens de la fois où carrément je suis venu au studio là pour enregistrer le morceau dans la course. J'étais cuit. Ouais, demain session studio, non, je suis choqué, j'ai les yeux, ils sont gonflés, je sais pas comment faire, j'appelle un pote, viens amène-moi en voiture, il fait non, je peux pas. Je suis plus un autre gars avec qui je traîne très peu. D'ailleurs, Béatrice, I see you, baby. Je l'appelle, je fais, je t'en supplie, amène-moi à Fribourg. Il est venu.
On a été, le truc s'est très bien passé. C'est moi carrément qui ai fait le logo, si on peut appeler ça comme ça, logo Erketo, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est de là qu'on se connaît. Puis j'avais retouché 2-3 images pour lui, vu que sa cousine habite à Genève et que je la connais parce que je crois que c'est la cousine... Non, c'est ton ex, hein. Ah. Je suis sur le CD Style Impulsif 4 de mon pote Erketo. Voilà, lâche le mic. C'est, voilà, c'est pour tous ceux qui ne m'arrêtent pas de prendre le mic parce qu'il y en a ici, ils ont la dalle. Donc on le prend nous. Et voilà, c'est pour dire à ceux qui sont pas là, qui sont là pour rien dire, bah vous, tu vois, je veux dire, yes. Et voilà, moi j'ai connu Erketo, déjà petite anecdote. Avant, en tant que rappeur, je l'ai connu en tant qu'alcoolique. Hein. Donc voilà, déjà, il faut le dire. Voilà, c'était, on était en session. Là, on le dit. Il faut le fumer, là, il ne dise pas la main. Il faut le fumer. Voilà. Voilà, voilà. En fait, c'était une session studio avec tous ces cons. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Une session studio avec tous ces cons à Genève. Et puis, en fait, c'était pas une session studio, c'était une... Comment on appelle ça? Ah ouais, réunion d'alcooliques anonymes. C'était ça, parce qu'on était tous pétés. Ça a pris 5 heures pour enregistrer le morceau. Mais bref, il a été fait. Il va jamais sortir, c'est pas grave. Ouais. Précisez qu'il a pris quand même plus de temps que nous pour écrire son texte. On précise. Et lui, il était pas bourré, lui. Lui, il était pas bourré. Il était pas bourré. Voilà, voilà, yes. Bon, en tout cas, pour dire, il faut soutenir le pote Erketo de Fribourg à Genève, Lausanne, tout ça. Style Impulsif 4, va l'acheter même si t'es radin, tu vois. Demande un petit truc à ta mère, à ton père, si jamais c'est pas cher, 15 balles. Aïe, yes, dans les bacs. Vinke. Alors, je te parle un peu de ma participation dedans, si dans la course, partie 3. Donc mon frère, il a appelé tous les MC de la Suisse romande. Il m'a fait confiance et j'ai su m'imposer dans la course. Après, les anecdotes, t'as vu, Erketo, c'est mon frère, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon grand frère. Après, t'as vu, on vit toujours ensemble, chacun sa chambre. À part, parfois, on s'embrouille pour de la bouffe, mais bon, voilà. Hein. Chacun sa chambre ou lui superposé, généralement? Non, chacun sa chambre, chacun sa chambre, chacun sa chambre, chacun sa chambre. On est deux. Chacun ça, voilà. Je devais même pas être sur le projet. Alors que Erketo, moi je l'ai connu, je pense, même avant son frère. Parce que quand Erketo, il est venu au monde, avec ma mère, on est allé le voir à l'hôpital à Fribourg. Tu vois ce que je veux dire? Donc je l'ai connu avant tout le monde. Après, pourquoi moi Erketo, on n'a jamais posé? Même nous, on se regarde, on sait même pas. Tu vois, on va pas parler de ça. Voilà, mon DJ qui s'appelle Ronfa, il m'a dit: maintenant c'est fini, vos conneries, il faut que vous posez ensemble. J'ai appelé Erketo, je suis rentré de Miami, j'ai dit: Erketo, t'es chaud, on fait un truc. Il a dit: vas-y, on y va. On a fait ça 2-3 jours après. Le son, il était hot. On a clippé ça 2-3 jours après. Regarde ce que ça a donné. Viens dans ma ville. Erketo, Style Impulsif 4. Tu ce que je veux dire? Faut soutenir. On est là, Fribourg, Genève, Lausanne, Vevey, partout où tu veux, Neuchâtel même. Tu ce que je veux dire? Je suis un des propriétaires de Red Star Events. Maintenant, c'est qu'on est là justement pour un seul but, pour Erketo. Je le félicite encore pour sa mixtape qui vient de sortir, Style Impulsif 4. Tu vois, on est là avec DJ Big Daddy. Ouais. On est là OP 100% avec lui. Tu vois comment ça se passe, non? Normal. Style Impulsif 4. Si tu l'as pas encore à la maison, profite de l'acheter, négro. Hein? Tu sais comment ça se passe? Alors. Ok. De Lose pour m'amener Erk et tout. Donc voilà, moi c'est Fox, j'habite à Lausanne, j'ai participé sur ce projet, je représente une team qui s'appelle MXX, Skinny Gang. Là je suis avec ma main Don Sai Sai, ma main Nick Stone. Donc voilà, j'ai participé à ce projet, j'ai aimé y participer. Maintenant il y a Rap Impulsif 4 qui sort maintenant, c'est pour ça qu'on est là et puis il faut aller l'acheter. C'est 15 balles, c'est pas cher. C'est du gros rap lourd, ça vient de Fribourg. Et quand on entend de la qualité, ben faut juste l'encourager. Franchement, faut que ça bouge, les gars. Faut que ça bouge. Ouais, on te retrouve sur quel morceau, Tangier? On me retrouve en fait sur les deux remix de Dans la course, volume 3. Donc voilà. J'aimais bien le son à la base. Et puis, à la base, c'était un délire juste. Et puis voilà, ça finit dans le CD de. Mon gars Erketo. Peut-être que tu préfères le remix ou t'es prêt à toi? Moi c'est égal.
La première raison, je vais vous dire, pour laquelle il fallait la prendre, c'est que c'est du lourd. C'est du très lourd et en plus les trois, on est dessus, donc normal que c'est lourd en fait, tu vois ce que je veux dire. Il cherchait un peu à trouver la bonne équipe avec qui avancer. Il a capté nos délires, nous on captait aussi son délire. Pour ma part, je suis sur son morceau, toujours dans la course, la partie 3. Il fait les choses très proprement, donc voilà quoi. C'est dynamique, ouais. Bah là aujourd'hui on est là pour soutenir notre gars Erketo. Donc les choses avancent, les choses se font. Tu cherches un exemple, fais comme Erketo, fonce. Voilà, nous on est là, on représente Rap et Prod, c'est-à-dire qu'on a aussi nos projets communs. Tu fais tes sons, tu choisis des bons prods, des bonnes prods. Des bons thèmes. Tu mets sur CD ou tu mets sur internet, mais quelque chose de valable. Comme Style Impulsif 4. Fais totalement à 100% en indé. Par Erketo lui-même. Et c'est pour ça encore je lui mets un big up, parce qu'il y a un sacré travail là derrière. C'est un frère avec qui donc. On giflait avant. Non, moi avant c'était. Moi je le giflais pas, je disais juste arrête de rapper les textes de Passy. En vrai ça fait plaisir. Tu vois, et on voit que pour moi c'est un frère. Donc il a concrétisé son objectif. Là il a sorti Style Impulsif 4. J'ai eu de la chance d'être dessus, heureusement, parce que les autres, j'y étais pas, mais celui-ci, j'y suis. Ok, bon, Keto, déjà, je l'ai connu, c'est Matt qui m'a présenté Keto, en fait, on est allé chez lui et tout, parler du projet Time Club Unity, après, direct, on s'est bien entendu et tout ça. Et bah, justement, après, on a attaqué Choc là-bas, pour la mixtape Bomae, et puis après, ensuite, vu que ça s'est bien passé et tout, il m'a appelé pour... dans la course partie 3, et vu que j'avais déjà vu dans la course partie 1, dans la course partie 2, j'ai dit la course partie 3, faut que je sois là aussi, tu vois. Et justement, Style Impulsif 4, je vois partout ça tweet ça, sur Facebook aussi, tout le monde parle de ça, je vois des statues de ça, des juice comme ça, et moi je suis content d'être dedans aussi, parce que hein, c'est Style Impulsif 4, c'est pas des toasts, mais toi-même tu sais, non. Et puis, big up à Keto, là on est là, vraiment on est là, calé avec la STA, on est vraiment présent pour voir comment ça se passe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Style Impulsif 4, c'est pas des toasts, mais 15 francs, va acheter ça, mets-toi bien, pose-toi, mets ça dans la gauve, mets ça chez ta go, mets ça partout, c'est pas des toasts, mets ça sur Twitter, mets ça même dans ton salon. À tous ceux qui soutiennent ce qu'il fait et ce que les autres y font à côté, tu vois. Parce que t'inquiète, le rap 6, il est en train de monter gentiment, mon frère. On est hâle. Tous ceux qui kiffent vraiment bouger sur des bons beats et tout, faut écouter cette mixtape, acheter cette mixtape, c'est du lourd. J'ai été informé par rapport aux récents événements, les flyers, les photos, les trucs, tu vois. Hein ? Ah bon, respect, le projet il est carré, clairement je vois c'est numéro 4, donc il y a plein de projets qui étaient là déjà avant. Non, je découvre un peu les morceaux là maintenant, je vois un peu comment ça se passe. Yeah, c'est ton boy Nel, motherfucker B. Avec mon bro ADN, Scorsese, toi-même tu sais, Lausanne City. Moi je l'ai connu, j'ai connu cet enfoiré, il avait quoi? Il devait avoir 7-8 ans comme ça. Il rappelait les textes de Passy. Il rappelait les textes de Passy. Et reste là-bas, Boulazet. Et puis, tu sais, je les ai connus, c'était où? Je les ai connus, moi c'était à la fête des Angolais. La fête des Angolais à Crissier. Rappelle-toi bien, fait des Angolais à Crissier, ils avaient un complet, vraiment complet, les deux, hein, un complet avec les journaux, là. Un complet avec les journaux, comme ça, là. Lui, il venait de se faire gifler par sa mère, tout de suite, là. Montre-le bien. Il avait mangé trop de beignets. Il avait trop mangé de beignets, il s'est fait gifler par sa mère. Ouais, ça, c'est deux, trois petites anecdotes. À part ça, Erketo, c'est un vrai gars, c'est un gars sûr. Ouais. Erketo, le petit frère aussi, pareil. À quel point il est vraiment vrai, il faut venir dans sa vie. Tu viens dans ma vie? Tu viens dans sa vie? Bon, j'ai écouté sa mixtape vite fait. C'est bien. Il y a que genre 23 sons que j'ai kiffé, juste 23. Mais sinon, c'était vite fait. Il y a combien de sons dans la mixtape? Il y en a pas 23, un truc comme ça? Ouais. Franchement, regarde le CD détaillé. Je monte même pas le devant parce que c'est trop lame. Mais là, je rigole. Respect à ce CD pourri, mec. Va pas l'acheter si tu peux, mec. Et puis, et puis quoi? Crazy babe. Hey, écoute bien. Tu vois ça là? Tu vois ça? Franchement ça, je vais te dire master, achète pas. Pouh, ça, pouh. Même pas comme ça, hein. Comme ça.
achète pas. Il m'a boycotté, je lui ai dit, oh, je vais poser sur 4 sons. Il m'a dit, oh, tu poses que sur un son, encore en feat avec ADN, avec lui-même. Moi, je voulais un son solo, sur ça. Là. Si j'avais fait un solo, j'allais mettre comme ça. Achète pas. Moi, je dis, achète pas. Franchement, c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde, je te jure. Quoi. Franchement, il m'a supplié déjà, tu vois, pour la soirée, tu vois, que je présente son titre. C'est vraiment de la merde, tu vois. Le truc qui comprend pas Erketo, ben, pour moi, c'est seulement une soirée pour les demoiselles, pour C-Chain. Erketo s'en bat les couilles, quoi. Tu vois, et rapper prod. Non, ils ont qu'une. tu vois comment ça se passe, non? J'aime boycotter le mixtape, là. Même dans la course partie 3, là. Tu vois, des gens qui commencent là à l'autre, là, Fox. Ils sont boilons qui tabassent les grosses tabasseurs de boules. Après, je vois. Même le vieux Dead là, il est un peu bizarre, un peu skiz. Et puis ouais, non, la mixtape là, à part moi qui viens poser là-dessus, sinon le son là, c'est de la merde. Je te dis la vérité. Juste un son que je kiffe bien, c'est quoi déjà? C'est ouais, dans la course quoi. Bon, après, il faut dire que j'ai mis la sauce dans la course parce que sans moi là, ils auraient niqué le morceau, je te dis la vérité. Je t'ai dit la vérité. Fox lui-même il est là, il sait.